Oh, c'est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner et de regarder mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite session flotte tube et on se retrouve en fin de vidéo s'il y a du poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon, on a une péniche qui arrive. Bon, la théorie, c'est que en fait, ça remue tous les sédiments dans le fond. Donc il paraît que c'est bon, moi j'aime pas trop parce que ça me fait des vagues sur l'eau. J'aime bien quand l'eau elle est plate, calme. Là je vais faire toute la zone. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Mais en général, c'est des spots qui sont marqués. Et en général, il y a du poisson qui s'y cache. La zone, ça fait une pente qui descend légèrement. Et après on a une bonne cassure. Donc j'essaie de pêcher vraiment dans la zone entre les deux. C'est pour ça que j'essaie de vraiment prendre contact et de laisser descendre dans le fond, faire des tirées et de laisser reposer mon leurre dans le fond et redémarrer en fait. Joli broc. Ah, les pilotes qui se trouvent. Allez, viens ici. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, on relâche à l'eau. Impeccable. Yes. Je vais repiquer un peu le texan dans le leurre parce que là, tout à l'heure, je le paumais sur. Alors, le leurre, bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Alors, le texan, ça me prend un peu plus chier quand même. Et tout ce qui se promène en Allemagne, il n'y a rien, il n'y a pas un carnassier là-dedans. Ouh, coupé. Oh non. Oh, je l'ai vu arriver. Oh, dommage. Putain, je crois que c'était un cendre. Oh non. Oh, je suis deg. Bon. Puis, eh, ça m'a surpris. Il est sorti d'un coup. Oui. Oh, c'est bon. Ah, j'ai pris une sacrée tape. Ouf. Parce que j'ai remarqué. Oh. J'ai remarqué un bon truc. Oh, le brochet. Oh putain, la vache!
C'est mon record, je pense. Allez, on se calme. Il rentre même pas dans les cuvettes, ça. Non, non, non. Bon. Qui entre pas dans les puisettes. Il va abandonner l'idée de l'épilote. Hein. Bon. Là, j'ai mon record. Il est magnifique. Ah, il le fait le maître. Hein. Et voilà, il y va. Génial. Yes! Petite présentation avec le flotte tube avec lequel je pêche. Alors je sais que c'est pas le top du top de qualité, mais pour moi ça me convient largement. Après je fais pas énormément de sessions par an avec. Si je dois en faire peut-être une dizaine, c'est tout ce que je vais faire. Je suis quand même pris beaucoup par mon travail, mais dès que je peux et que j'en ai l'occasion, je le sors.